Un colloque à la base, on avait entendu simplement organiser une journée de réflexion, mais l'appétit vient en mangeant. Finalement, on l'a transformé en colloque, aussi qui est devenu d'envergure. Vous avez vu effectivement tout ce beau monde qui est venu assister à ce colloque, aussi bien les étudiants, les collègues et aussi d'autres invités. Donc nous sommes ravis effectivement de voir que ce colloque, nous en sommes pour l'instant à la pause, que ça commence quand même, pour l'instant. On peut dire que ça a connu une réussite pour l'instant. On entend tirer les enseignements de la situation politique du pays, sensibiliser effectivement sur la lecture scientifique qu'il faut avoir, au-delà de toutes les considérations politiques, au-delà de toutes les passions politiques, essayer de sensibiliser sur la lecture scientifique. Parce que l'université aussi, les universitaires doivent être fidèles à leur tradition qui consiste à prendre au recul nécessaire par rapport à la chose publique pour justement porter un regard, comme je l'ai dit, qui soit lucide, un regard qui soit dépassionné, en vue simplement d'élucider sur la situation du pays. En fait, nous, il était normal quand même, après tout ce qui s'est passé au plan politique dans le pays, et au regard de la configuration du Parlement sénégalais, de réfléchir sur la thématique de la cohabitation. Bon, il est évident que c'est un sujet incontournable au regard de l'évolution qu'a connue le Parlement récemment dans sa composition, dans sa structuration. Donc regardez à peu près les rapports qui peuvent naître entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir du président de la République. Donc autant de thématiques qui sont intéressantes dans un contexte de discordance de majorité, même si arithmétiquement. On ne peut pas arriver à la conclusion qu'il y a discordance de majorité, mais il est clair quand même que les choses ont évolué, ils peuvent évoluer dans le sens aussi de cette hypothèse-là.